fait un appel au calme. Je pense que je comprends qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes, mais on peut débattre de façon respectueuse. Les Québécois sont des gens accueillants. Les Québécois ont le droit de demander qu'au Québec, les personnes qui travaillent pour le gouvernement, qui sont en autorité, portent pas de signes religieux. C'est raisonnable, c'est modéré. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est une demande qui est légitime. Ils sont nombreux à dénoncer les propos du maire d'Hampstead qui a fait allusion au nettoyage ethnique en parlant du projet de loi sur la laïcité, des propos tenus vendredi dernier. Alors, vous comprenez que le débat se polarise autour de ce projet de loi. Commission scolaire, municipalité s'organisent, il y aura même des manifestations. Je retrouve l'historien et sociologue Gérard Bouchard. Il a co-présidé avec Charles Taylor la commission sur les accommodements raisonnables publiée en 2008. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir, Mme Dussault. Depuis nos studios de Saguenay, merci beaucoup d'être avec nous. Avant de poursuivre, M. Bouchard, on va présenter à notre public un court florilège qui illustre bien l'état du débat en ce moment. On écoute. This is ethnic cleansing. Not with a gun, but with a law. Je suis contre la loi, mais je ne vais jamais utiliser des propos aussi incendiaires comme l'a utilisé M. Steinberg. Je pense que c'est un manque de jugement grave et il doit s'excuser. Un élu, donc il y a des responsabilités et il doit s'excuser. Absolutely not. I'm planning to tell people, stop saying ethnic cleansing, say peaceful ethnic cleansing, so that we understand right off the bat. Alors, M. Bouchard, bonsoir, bienvenue à 24/60. C'est une belle introduction. Vous trouvez, bien, c'est l'état de la situation depuis vendredi. Je sais que vous rentrez de l'extérieur du pays, M. Bouchard. Vous avez peut-être pas senti la chaleur entourant ce débat depuis quelques jours. L'entente. Votre réaction quand vous entendez ces propos-là, c'est un maire élu d'Hampstead. Il est dénoncé par la plupart des élus. Tout le monde veut qu'il s'excuse et loin de là, il récidive. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre réaction sur... Très rapidement, je trouve que ce n'est pas vraiment surprenant dans un débat comme celui-ci, qui survient dans un contexte qui n'est pas nouveau. Hein. Il y a déjà eu des précédents, la Charte des valeurs, etc. Il y a des émotions qui sont encore très vives. Il y a des cicatrices qui ne sont pas refermées. Je ne suis pas donc surpris d'une intervention comme celle-là, mais d'un autre côté, on peut quasiment se réjouir qu'il n'y en ait pas davantage. Hein. Je ne pense pas que cette déclaration reflète vraiment l'allure du débat présentement, qui me paraît quand même plus correcte. Mais est-ce que vous la dénoncez évidemment, cette déclaration? Oui, évidemment, bien sûr. Ouais. Ça n'est pas fait pour apaiser les esprits, ni pour faire avancer le débat. Nous sommes bien d'accord. Il semble, en tout cas, qu'il y a eu des manifestations ce dimanche encore, dernier, puis il y aura de nouvelles manifestations qui veulent exprimer l'opposition de certaines personnes. Puis je dis tout de suite, M. Bouchard, qu'on aura quelqu'un demain à l'émission qui défend le projet de loi parce que c'est important d'avoir une équité de points de vue. Il y en a qui sont pour ce que vous aviez proposé, il y en a qui sont contre, il y en a qui vont pas... Enfin, vous connaissez tout l'éventail des propositions. Alors, il y a des manifestations, il y a un discours qui se tient, qui est peut-être inquiétant. Et je vous fais entendre, par exemple, cette femme de Solidarité sans frontières dimanche à la manifestation. Vous allez l'entendre, mais vous ne la verrez pas. Et je vais vous demander votre réaction. Bannir le port des signes religieux cible tout particulièrement les femmes musulmanes et est une expression de haine sexiste, islamophobe, et antisémite. La laïcité est devenue le langage par défaut de la suprématie blanche. C'est particulièrement scandaleux que les mêmes politiciens qui ont déploré le massacre de janvier 2017 à la mosquée du Québec mettent maintenant en place des lois qui mettent en danger la vie des musulmans. Monsieur Bouchard, encore une fois, votre réaction, le discours extrême? C'est un peu du même calibre que ce qu'on a entendu juste avant. C'est un peu moins pire, mais c'est pas le genre d'intervention qu'on souhaiterait, je crois. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'une femme prend la parole dans un contexte où la liberté d'expression permet beaucoup de choses et vient dire que c'est un projet de loi qui met en danger la vie des femmes musulmanes, que c'est antisémite, que c'est islamophobe, etc., alors que le gouvernement parle ici de laïcité? Oui, mais...
Nous sommes bien d'accord, là. Tous ces propos sont exagérés. Hein? Et si on veut faire avancer le débat, il faut essayer d'aller au-delà. Et puis après ça, ben, il faut quand même se rendre compte que M. Legault joue dans des eaux qui sont sulfureuses. Hein? Nous le savions. Ce débat, il est ouvert depuis une quinzaine d'années. Il a eu plus de recul que d'avancée. Je pense que nous sommes bien d'accord là-dessus. Il y a eu des antécédents qui ont laissé des traces et des blessures parmi notamment les membres des minorités. Et ces blessures n'ont pas été guéries. Les gouvernements ne se sont pas vraiment démenés pour restaurer les bons rapports entre la majorité culturelle au Québec et les minorités. Alors forcément, il y a des choses qu'on a laissé traîner. Et moi, je crois qu'il y a eu une piètre gouvernance des relations interculturelles en rapport avec la laïcité et autour de ces thèmes. Ouais. Ça ne justifie pas les propos que nous venons d'entendre. Mais enfin, il faut quand même aussi regarder ce que le gouvernement a fait et comment il l'a fait. Moi, je suis un peu étonné de la façon dont M. Legault a conçu et présenté ce projet. Pourquoi? En gros, parce que vous dites qu'il joue dans des eaux sulfureuses. Pour résumer rapidement pour le public, au nom de la modération, il propose une clause grand-père, donc les droits acquis. Bien sûr, il recourt à la disposition dérogatoire, mais il va jusqu'aux enseignants, ce qui est un pas de plus par rapport à ce qu'on a toujours appelé le consensus Bouchard-Taylor. Quand je parlais des eaux sulfureuses, je faisais allusion au débat que nous avons eu au cours des 10 dernières années ou des 15 dernières années et qui ont donné lieu déjà à des excès et qui ont laissé pas mal de citoyens et de citoyennes québécois ou québécoises dans une grande insatisfaction, pour employer un euphémisme. Maintenant, quand M. Legault parle de modération, ça me surprend quand même un peu, parce que moi, c'est justement ce qui me gêne dans son projet de loi, c'est l'absence de modération. Il me semble que, c'est curieux à dire, mais il me semble que c'est un projet qui ne ressemble pas aux Québécois. En tout cas, qui ne ressemble pas à l'idée que je me fais des Québécois, et qui ne ressemble pas non plus à l'idée qu'on se faisait de M. Legault, qui, justement, paraissait être un homme modéré, ouvert aux autres, attentif, sensible, ouais, même, je dirais. Et puis, un projet comme ça n'est pas exactement... Qu'est-ce qu'il y a dans le projet qui... Ben, par exemple, quand M. Legault parle d'un bâillon, c'est donc qu'il veut soustraire le projet à la démocratie parlementaire. Et quand il recourt à la clause dérogatoire, c'est qu'il veut le soustraire à l'examen des tribunaux. Et le projet en lui-même prend de grandes libertés avec les droits des personnes et même des droits fondamentaux. Il est possible, il est même légitime parfois, de restreindre un droit ou même de le supprimer, à la condition d'avoir un motif supérieur qui peut être reconnu par les tribunaux. Dans ce cas-ci, ce motif-là, moi, je ne le vois pas, parce que, par exemple, on entend souvent, à propos du hijab, on entend dire que les femmes qui le portent font du prosélytisme auprès des élèves, que le seul fait de porter le hijab est une forme d'endoctrinement, que le port du hijab et des autres signes religieux peut traumatiser les élèves. Mais rien de tout cela n'a été prouvé. Et à ma connaissance, il n'y a même jamais eu d'études qui ont été faites pour appuyer des assertions comme celle-là, qui auraient pu, finalement, selon les résultats qu'on aurait obtenus, qui auraient pu former un motif vraiment raisonnable que la Cour aurait pu reconnaître. Mais il n'y a même pas eu d'effort de ce côté-là. Ouais. C'est quand même un petit peu troublant. Oui, vous aviez proposé un livre blanc. Cela dit, les défenseurs de la proposition gouvernementale pour étendre ce consensus des personnes en autorité de coercition que vous aviez identifiées dans votre rapport, mais pour qui, d'ailleurs, les opposants au projet de loi s'opposent même à ce que vous aviez proposé en disant qu'il n'y a pas de fondement juridique plus à votre formule qu'à celle qui est proposée par les enseignants, au fond, la neutralité de l'État, puis je vais vous citer votre collègue sociologue, Guy Rocher, hein, un grand défenseur de la laïcité et fondateur de la Révolution tranquille, qui en 2010 signait un texte avec d'autres intellectuels qui disait « La neutralité de l'État s'exprime
par la neutralité de l'image donnée par ses représentants. Ces derniers doivent donc éviter d'afficher leur appartenance religieuse, philosophique et politique. Et puis, il ajoute, l'école publique n'est plus neutre si le corps enseignant ou les membres de la direction affichent ouvertement leur adhésion à une religion, à l'athérisme. Au fond, il dit, dans le fond, qu'un signe religieux pour les enseignants et peut-être les directions d'école, c'est comme une vitrine, dans le fond, d'une croyance religieuse et que les enfants doivent mettre à l'abri de ça. Est-ce qu'on peut penser légitimement qu'il y a un fondement pour ceux qui croient à ça? Bien, moi, je pense qu'encore une fois, si c'est dommageable pour les élèves, pour les jeunes, il faudrait le prouver. C'est peut-être probable, c'est peut-être raisonnable d'en faire une hypothèse, mais pour en faire un projet de loi et qui transgresse ou supprime ou altère des droits des personnes, il faut quand même avoir un fondement plus solide, il faudrait avoir des données rigoureuses que nous n'avons pas. Et en plus, quand on évoque l'argument de la laïcité, moi je pense qu'il y a peut-être un malentendu là-dessus. Moi je pense que quand au Québec les gens parlent de laïcité, ils se réfèrent surtout à la séparation de l'Église et de l'État, parce que c'est ce qui correspond à notre expérience depuis la Révolution tranquille, etc. C'est ce qui nous paraît le plus important. Mais la laïcité, donc la séparation, bien sûr que c'est important, parce que c'est répartir les pouvoirs entre l'État et les Églises. Mais en quoi est-ce que le port de signes religieux par des employés de l'État pourrait compromettre cette séparation qui nous est si chère et avec raison? Oui, c'est ça, ce corollaire-là, je ne le vois pas. D'accord, évidemment, il y en a qui le voient. Si vous voulez bien, on va aller à une brève pause, M. Bouchard, puis on va poursuivre sur cette lancée de la corrélation que vous ne voyez pas, mais que d'autres voient. On revient tout de suite après la pause, M. Bouchard. Ouais. Merci. Projet de loi sur la laïcité. Je poursuis avec l'historien et sociologue Gérard Bouchard. Monsieur Bouchard, juste avant la pause, on parlait donc de cette séparation de l'État avec le religieux. Deux camps s'opposent ici dans ce débat-là. Et les tenants de la laïcité estiment que justement la laïcité est le meilleur espace pour assurer l'égalité, notamment des femmes, et assurer le meilleur espace pour l'expression de la pluralité, du pluralisme. Entendez-vous, M. Bouchard? Oui, je vous entends, mais ça me paraît contraire à que l'interdiction de porter des signes religieux est un moyen de favoriser le pluralisme. Ce sera plutôt le contraire. C'est un moyen de favoriser l'homogénéité, l'uniformité. En même temps, si ces deux points de vue-là s'affrontent en ce moment, parce que c'est aussi le point de vue du gouvernement, s'appuyant, son fondement principal, c'est de dire la majorité des Québécois veut ça, c'est l'aboutissement de la Révolution tranquille. Par ailleurs, les gens disent non, c'est discriminatoire, c'est islamophobe, etc. Comment on peut sortir de ce... indemne, si on peut, de ce débat-là ou de cette crise-là en ce moment? D'abord, dire que s'appuyer sur la majorité de la population en matière de droit, ce n'est pas toujours un bon argument. Parce que la majorité peut se tromper, et surtout quand il s'agit des droits des minorités. Et c'est pour ça qu'il y a des tribunaux et des arbitres qui sont indépendants du législateur. Et c'est, à mon avis, c'est pas pour rien que M. Legault veut recourir à la clause nonobstant. C'est probablement exactement pour cette raison. Comment en sortir? Ça me paraît très difficile dans l'état actuel, parce que ce projet, d'une certaine manière, me paraît radical. Me paraît radical parce qu'il n'arrive pas à fournir l'argument d'un motif supérieur que les tribunaux pourraient reconnaître. Il le soustrait encore une fois à la justice en recourant à la clause nonobstant et il s'apprête même à la soustraire encore une fois à la discussion démocratique en recourant au bâillon. Ça fait beaucoup de choses, là, Madame Dussault. Il me semble qu'au Québec, on n'est pas une société comme ça. On est une société qui est soucieuse de compromis, de débat, il me semble qu'on est plus sensible que ça. Et qu'on évite en général le radicalisme. Dans l'histoire du Québec, toutes les tentatives qui ont eu recours au radicalisme ont échoué et n'ont pas duré longtemps. On peut prendre 4 ou 5 exemples. C'est contraire à notre culture politique. Mais en même temps, le compromis, ce qu'on appelle consensus, vous chantez-le, votre collègue l'a renié, il dit même aujourd'hui qu'il a honte d'être Québécois. Vous, est-ce que vous considérez que votre consensus de l'époque, en 2008, est toujours viable? Parce que pour certains, il n'avait pas plus de fondement juridique que la question des enseignants. Oui, mais pour moi, il a un fondement juridique. C'est-à-dire
C'est pour favoriser un meilleur exercice de la justice, en instaurant plus de confiance parmi les justiciers, parmi les gens qui sont victimes, avec raison peut-être, qui ont commis des transgressions, etc. Bon. Et à ce moment-là, d'avoir une confiance absolue dans les magistrats ou dans les policiers, c'est quand même une donnée qui est fondamentale. Et moi, il me semble que la mesure que je propose va dans ce sens-là, d'améliorer l'image d'indépendance, d'impartialité, de neutralité, de crédibilité des magistrats et des autres agents qui exercent un pouvoir exceptionnel, Madame Dussault. C'est le pouvoir de frapper des citoyens, de les emprisonner, etc. Évidemment, pour bon, alors, oui. Moi, ce n'est pas vraiment dans l'esprit d'un compromis, moi, que je tiens à cette formule. C'est qu'elle me paraît, justement, justiciable devant les tribunaux. Et si jamais elle devait être approuvée ou adoptée par un gouvernement, évidemment, l'étape suivante, ce serait de la soumettre aux tribunaux. Et à ce moment-là, si elle n'est pas acceptable, on le verra, puis on passera à autre chose. Mmh. Oui, mais évidemment, les gens, puis je prends le contre-pied de votre discours, évidemment, c'est mon rôle de le faire. Les tenants de la laïcité disent, évidemment, en matière de signes religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est le Québec, parce que la question de priver des personnes d'un emploi, est-ce que le Québec, c'est lui qui dicte vraiment une conduite ou c'est plutôt la religion? Et le Québec a son histoire face à la religion. Hein? On s'en est débarrassé, entre guillemets, plusieurs, bon, depuis 50 ans. Et il y a comme une histoire au Québec, un rapport à la religion qui fait que les autres cultures pourraient être appelées à comprendre cette histoire du Québec, non? Mais oui, bien sûr, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Mmh. Et c'est pour ça que nous sommes si attachés à la séparation de l'Église et de l'État. Mais encore une fois, pour moi, il n'est pas évident que l'idée de cette séparation des pouvoirs s'accompagne d'un corollaire qui consiste à interdire les employés de l'État à porter des signes religieux. Je ne vois pas en quoi ça affecte ou que ça altère le principe de la séparation de l'Église et de l'État ou de la séparation des pouvoirs. Par exemple, pour les enseignants, même les enseignants de les cours d'éthique et de culture religieuse ne peuvent pas affirmer une religion plus qu'une autre. On a déconfessionnalisé les commissions scolaires, les écoles. Nos religieuses et religieux se sont laïcisés dans les années 60. Est-ce que ce n'est pas le prolongement normal de cette volonté de laïcité, de l'incarner à travers les enseignants? Ah, il y a une distinction importante à faire, Madame Dussault. À partir des années 60, les religieux, les religieuses se sont laïcisés, en ce sens que ce sont des faits, des signes religieux, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Oui, mais elles l'ont fait parce qu'elles ont voulu le faire, elles ont décidé de le faire. Personne ne leur a imposé. Si elles avaient voulu garder leurs signes religieux, elles l'auraient fait et nous aurions continué à vivre avec ça sans difficulté, je crois. Mm-hmm. Le gouvernement, face au Bayon, n'a pas... Ça pourrait changer. Il pourrait y avoir un débat. Au fond, s'il y avait un débat en profondeur, commission parlementaire ouverte, et prendre le temps d'en débattre déjà, est-ce que ce serait intéressant pour vous comme ouverture? Moi, je pense que dans les conditions actuelles, le débat, il est un peu verrouillé. Parce qu'encore une fois, il me semble que ce projet de loi ne repose pas sur des données qui en établissent la légitimité, autrement que de dire « nous voulons la laïcité, c'est une tradition dans l'histoire du Québec, nous avons eu des rapports difficiles avec la religion, ce qui est parfaitement vrai, mais encore une fois, il y a aussi les droits des personnes dont il faut tenir compte, et là, il y a il y a un compromis à établir, il y a une position là, qu'il faudrait trouver, qui n'est pas forcément la mienne. Hein. Ça pourrait être quoi? On pourrait en imaginer d'autres, mais je ne sais pas, moi j'ai réfléchi, puis j'en ai conçu une pour moi, je ne vais pas travailler à en concevoir d'autres, mais il pourrait certainement y en avoir d'autres. Je ne crois pas qu'on les ait vraiment cherchés, parce que le Parti libéral prend une position qui est le libéralisme classique, c'est-à-dire que la liberté des individus doit prévaloir sur les instances ou certaines instances de l'État. Et donc, les droits sont presque absolus. Donc, ça conduit à la position du Parti libéral. La charte du Parti québécois allait, à mon avis, beaucoup trop loin dans l'autre direction. Québec solidaire vient d'adopter la position du Parti libéral. Donc, il se range aussi dans une forme... Je ne dirais pas de radicalisme, mais pas loin. C'est-à-dire que là, on ne peut plus discuter. Et puis, M. Legault, il va trop loin aussi. Je pense que c'est un projet de loi qui
n'est pas en accord avec notre culture politique. Et moi, si la discussion doit s'ouvrir, si les conditions d'un véritable débat avec des chances d'aboutir doivent être définies, ben, il faudrait que M. Legault redéfinisse son projet. En enlevant la question des enseignants, en promettant un débat et en enlevant, en enlevant aussi la disposition dérogatoire. C'est ces trois éléments-là que vous demandez. Ben oui, à mon avis. Moi, je crois qu'il devrait soustraire les enseignants à sa loi, qu'il devrait annuler le recours à la clause dérogatoire, parce que moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément, de soustraire des décisions du Parlement en matière de suppression de droits à l'examen par les tribunaux. Je trouve ça extrêmement gênant. Toute la question repose évidemment sur le respect des droits individuels et les droits collectifs ici. Oui, mais justement, le droit de débattre et de demander l'avis des instances qu'on a mises sur pied justement pour exercer cette fonction, c'est-à-dire les tribunaux, ça fait partie des droits collectifs aussi, Mme Dussault. Là-dessus, M. Bouchard, merci de nous avoir parlé ce soir. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous engager davantage dans ce débat? M. Taylor n'a cessé de le faire depuis quelques années et promet de continuer à le faire. Allez-vous le faire vous aussi? Non. Je donnais cette entrevue parce que j'estimais que je vous la devais. Merci. Je vais peut-être en donner une autre, mais ça n'ira pas plus loin. De toute façon, mes positions sont bien connues. Et encore une fois, il me semble que dans les conditions actuelles, le débat est un peu cadenassé et que, à mon avis, ça va se terminer par un tour de force. Et Monsieur Legault utilise souvent l'argument que enfin ça va mettre fin au débat, alors qu'il est en train de prendre les mesures pour justement le relancer pendant quelques années. Gérard Bouchard, merci beaucoup depuis Saguenay, j'allais dire Chicoutimi, de nous avoir parlé ce soir. Merci beaucoup du temps que vous avez pris pour nous parler. Merci. Au revoir, madame. Au revoir.